600 euros pour ce double. Ah, 6500, c'est ici. 6500 pour Brigitte. 7000. 13000, alors j'ai raison. Deux rembats dans la salle pour 13000 euros, c'est contre le double. 14000 au téléphone. Il y a 95000 euros pour ce bureau. À 95000. À 95000. 27000, je prends. Voulez-vous 28? C'est 27000, 28000 pour Pascal cette fois-ci, à 28000 euros. À 28000, nous sommes. 44000 toujours au téléphone ici. 44000 avec Pascal cette fois-ci. Merci. Le numéro suivant est le numéro 38. Ce bol, ce large bol, Georges Joux, dont le diamètre catalogue est erroné, la dimension, le diamètre n'est pas de 17,5 cm, mais de 27,5 cm. À 45000. 45000. À juger 45000. Le numéro 10000 euros. Donc, dans la salle pour 6000 euros sur ma droite, c'est plus la gauche. À droite ici pour 6000 euros. C'est vu à 6000 euros, personne ne couvre cette enchère. Dans la salle, c'est la poule qui sont signées, et pas indiqué au catalogue, qui sont signées. Et je vous propose pour ce 200, c'est bien vu, à 4200, 4500, 4800. À 4800, il y a 4000 euros, sinon je vends 4000 euros, c'est blanc, 4500. Avec 2000, maintenant pour 4000. 6500. À 10000 euros, c'est lié. À 11000, sauf cette fois-ci pour 7 ans par 11000, sinon j'ai assez. 12000, 14000. Salle de vendance est 42000, sauf si quelqu'un se manifeste au téléphone. J'achète avec monsieur ici pour 42. À 2000 euros. Si quelqu'un en fond de 2000 euros, il va attendre quelqu'un à ressources, de modèles différents. Et pour tout le lot, vous pouvez vous dire à 1500. 2007. Je prends 2007. 1600 avec 2600. 3600. Non, vous n'avez pas vu, c'est votre enchère. Absolument pas que nous adorions ce prix aujourd'hui dans le contexte économique actuel pour un fragment d'un escalier qui a été démantelé il y a 25 ans. Ça prouve que ce qu'on a vendu au-delà de la pièce, c'est le symbole architectural fort, c'est un morceau de Paris, c'est un morceau de la France et c'est ça qui a vraiment attiré les gens au-delà de l'objet, bien sûr. Je pensais qu'on vendrait plus de 150 ou 180 000 euros, mais je ne pensais pas qu'on ferait 460 000 euros, ça c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est la bataille entre vraiment clairement des clients d'art décoratif et des clients du monde de l'art contemporain qui sont allés très très loin, qui nous ont beaucoup aidés à faire ce prix très élevé. L'inauguration de la Tour Eiffel, il a donc 120 ans pratiquement. Et ça, c'est un morceau du drapeau. Regardez comment il est signé. Le drapeau qu'on voit sur les gravures. Quelle pièce magnifique. Le drapeau qu'on voit en haut. C'est signé par Thomas Edison. Ah bah oui. C'est magnifique. Jules Massenet. Oui, oui. Magnifique. Et elle a des cheveux de Gustave, là, ici. Regardez, là-dedans, il y a des cheveux. Les cheveux de Gustave sont là. Merci. Bah écoutez, bientôt, on va vendre la semaine prochaine. Dans 15 jours, on vend des cheveux de Proust. Vous voyez, il y a les cheveux d'Eiffel. Je vais en vendre les cheveux de Proust. On ne va pas les vendre. Non, regardez-les. Mais pourquoi ça se vend, les cheveux? Vous savez, je vais vous dire, regardez, c'est très simple. Gustave Eiffel, c'est une aventure. Ah oui, au début, tout le monde paraissait imaginer être une aventure folle, impossible, irréaliste. Et regardez. Deux réunissent l'Amérique et la France. Et dès qu'on veut mettre la France, on met la Tour Eiffel. Et il est très symbolique que ce soit une société américaine qui a une filiale en France, dans notre maison, qui vend.
J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance formidable. Et je trouve que c'est super que ce soit l'escalier qui a tout emmené. Je suis émue parce que je suis quand même une arrière-petite-fille de Gustave Eiffel, donc ça m'a fait plaisir, quoi. Pour y être snob, vous ne l'êtes pas du tout. Ah ben écoutez, je ne pense pas l'être, en tout cas. Non, là-dessus. Non, merci. Restez comme ça. Mais il y a des gens, c'est fou, hein. C'est dingue ce qu'on discute aujourd'hui dans les rues. Bon. Mais vous savez, chez nous, au Brésil, on a Santos Dumont. Combien on parle, avec qui on parle, ah ouais, c'est ça, avec qui côté on parle, de la famille. Là, c'est bien dit, madame. Ah, oui. On va le mettre aux enchères, lui. Oui. Oh, allez, bien, oui. Entrez direct, on va vous vendre. Non. Ah, oui. Au revoir, mes amis.